Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Mars, c'était Camon. On vous présente aujourd'hui Forgotten Anne ou Anne l'oublié. Un jeu sorti sur Steam le 15 mai 2018 au prix d'environ 20€, développé par Throwline Games et édité par Square Enix. L'éditeur est connu pour des jeux comme Dragon Quest ou Nier Automata. Alors on nous propose ce jeu comme étant un jeu d'aventure de cinématique fluide, ayant des contenus de casse-tête et de plateforme. Moi j'ai craqué pour le côté graphique du jeu, on verra ce qu'il nous propose et on va commencer tout de suite. Good quality wood, sturdy, cast iron legs, very nice. Continue straight ahead, please. Don't worry, we have lots of your kind here. Now, let's see. A bit worn, no twin, factory knitted. I'd advise you to look for a job right here at the plant. Why don't you go down the stairs? Help us change the realm. Apply for your validation sticker right here. Get a job with meaning. Remember, you're not rotten, just forgotten. Nous y sommes, bienvenue dans un univers animé à la main où les objets du quotidien prennent vie, les fameux oublions. Et on reprend le contrôle de Anne, l'aventure commence comme ça. Alors l'intro était très longue, hein, bien faite comme on aime. Mouvement pour l'instant, on peut pas courir. On a une verrière, on a des choses à voir, on peut prendre la porte. Et là on a la joie, le plaisir quand même d'avoir des séquences animées. Hein. Parc jadis est plongé dans le noir. Donc il y a eu un sabotage, un coup des rebelles. On apprend qu'il y a une révolte. Il y a des choses. L'usine a l'air de fonctionner. Donc on a vu que les oublions, il y a un tri à l'entrée. Une partie est embauchée pour le pont de l'éther, on en reparlera. Et une autre va à l'usine. De la fumée s'échappe de la tour de guet. J'espère que Tiffany va bien. Donc on pense que Anne a une copine. Très bien. Et est-ce que pour revenir en arrière, on fait comment? La gare centrale est en feu. Ça a cependant un rapport avec la panne d'Anima. Bon, beaucoup de textes, c'est vrai. Voilà, on peut ressortir. Et on va fouiner un petit peu. Il y avait des indices ici, non?
Donc ce n'est pas un jeu point-and-click, hein. Là vous prenez vraiment le contrôle du personnage. Maître Boncou et moi. D'accord, c'est le vieillard qu'on a vu tout à l'heure. Et on va descendre. Alors pour pas trop spoiler le jeu, comme c'est un jeu d'aventure comme assez linéaire, on en reparlera des choix. Je vais faire une immersion les 20 premières minutes et on en reparlera ensuite. Il n'y a pas d'anima dans les tuyaux. Donc c'est ça, Anne, et la magie, enfin tout fonctionne à partir de la magie, l'anima. Et Anne est une sorte de gardienne. Et donc l'usine a été coupée, on dirait. On va voir ce qui se passe, on va enquêter. J'ai une porte ici, je vais pas la prendre tout de suite, je vais fouiller un peu moi. Un grand miroir. On va y revenir après. Je ferais mieux de parler à Maître Boncou avant de partir. Pour ça, je dois restaurer le flux d'anima. On doit réparer la communication. Donc c'est pas d'énergie électrique, hein, c'est vraiment l'anima. Le miroir, voilà, pour communiquer avec Maître Boncou. Ou Boncou, peut-être. Hop. Vous voyez, alors c'est ce genre de boîte vide et celle-ci est pleine d'énergie. Voici les boîtes et sortes de piles. Et nous, on va donc... Je peux distiller de l'anima de ces cylindres et l'utiliser pour alimenter l'inverseur qui est là-haut. Voilà, le tutoriel en quelque sorte. Hop, on va régler son arca. Ce qui est en elle, en fait, pour activer l'aspiration. Donc l'arca est activé et ici, il n'y a rien. On va donc prendre là où il y a de l'énergie et on aspire. Voilà, on va pouvoir réparer maintenant la machine en haut, remettre le courant, en fait, le jus. Et est-ce que c'est derrière cette porte-là? Si je vais jeter un œil avec mon arca, on voit qu'il y a une communication vers le haut. Ouais, tout vient de là. Tout vient de cette porte. Appuyez sur X pour utiliser arca et entrez en animation. En anima vision. Alors on met l'énergie. Voilà. Et le levier. Donc là, c'est vraiment le gameplay du jeu de base. Ce qu'on fera tout le temps, en fait. L'autre partie du jeu, ce sera d'apprendre à utiliser les sauts entre les plateformes et les toits, vous verrez. Et le courant est revenu. Maître Boncou, là. Est-ce que par ici, je peux aller? Ah, j'ai jamais vu qu'il y avait cette porte-là. Excellent. Mais si, évidemment. À la fin du jeu, peut-être. On peut se poser des questions. C'est la porte de la tour du Maître Boncou. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas. Je peux pas l'ouvrir seul. Eh oui. T'as pas accès. C'est vrai que si je prends la poignée... Système a deux interrupteurs. Je ne peux pas l'ouvrir tout seul. Il faudra un ami pour le faire. Exact. Au moins, allons parler à Maître Boncou maintenant. La pâte graphique est complètement japonaise, hein. J'aime beaucoup ce style. Master Boncou, are you alright? What's going on? A rebel attack. I suspect they were trying to reach the tower. They have no idea what they are doing or what is at stake. Et nous avons donc un choix et chaque action que vous prendrez en fait entraînera un scénario, un changement. Donc soit je nous protégerai ou que dois-je faire? Eh ben oui, on peut lui demander, tiens, qu'est-ce qu'on doit faire? What would you have me do, Master? Be on your guard, Anne. The rebels have likely retreated, but we still have work to do. First, we need to restore power to the areas around the tower. Load the dispensers and reverse the anima flow to draw from the tower's reserves. Of course, Master. Leave it to me. Once that is done, find out what is happening at the workshop. The ether bridge is our number one priority. It's almost finished, Anne. I only have one more segment to install. I'll check on Tiffany at the watchtower and get my wings. I'll call you when I get there. Good. Oh, and Anne? Yes, Master? I... never mind. Stay vigilant. We're going home soon. Et oui, on va bientôt rentrer à la maison et on a donc le journal intime d'Anne où on peut regarder ses notes, ce qu'on va faire. Alors pour l'instant, au début, elle reprend un peu les conversations, après on aura des indices évidemment. N'hésitez pas à faire pause pour lire la note. Et donc on va retrouver sa copine Tiffany et les ailes que Anne doit retrouver, en fait, ça va être un système qui permettra de sauter beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et d'avancer ainsi dans les plateformes et dans le jeu.
Donc, c'est qui celui-là? Identify yourself, Gatling. My name's Dilly, Madam Enforcer. I'm a welder. Ouais. Yes, that's it. I'm a welder. Pas trop sûr de lui, hein, Dilly. Where's your validation sticker? It's... Oh, it's gone. I must have lost it. A rebel. I'm no rebel. I swear on the human who forgot me. Bon, on peut dire qu'il ment tout de suite, on peut savoir ce qu'il veut. On peut être plus finaux. Tell me what you're doing here. I, have an important message for Master Bonku. What's the message? Oh, yes, there's been an anima. La formation, on la connaît déjà. And the rebels have sabotaged the primary transfer pump near the central station. Allez. You came all this way. Dévoile-toi. The watchtower, past locked gates, climbed up here, just to tell me what I can plainly see from my window. Well, when you put it like that. You rebels have no idea what you're doing or what's at stake. Oh, please don't distill me. Ah bah tiens. Don't come any closer. You leave me no choice. Oh, on va pas le faire, mais si. C'est l'exécutrice, elle est là pour mettre l'ordre. Et donc on prend l'anima de l'oublion. Et il est mort. Ah, ça rigole pas, hein. Allez. Ah, quelque chose au sol. Tiens, c'est marrant, ça. Ah, bah oui, c'est elle, le maître Bonku, qui traverse le pont de l'éther pour rejoindre des autres humains. D'accord. Et c'était dans le vase qui est cassé. Mais c'est un dessin d'enfant. Always rain. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Bon, la patte graphique excellente, hein. Allez, faut diriger le personnage, on descend. On peut sauter. C'est bon, on a le contrôle total. Dans l'escalier, on peut sauter. Ouais. Ah, une manette. On la prend, elle est là. Ça ouvre la porte, très bien. Les rails ont été endommagés, je me retrouve à pied apparemment. On va prendre... Est-ce que j'ai besoin d'anima encore? Mon arca est pleine. D'accord. La voie numéro 1. Très sympa les effets de zoom. Ah, tout est explosé, hein. Il faut qu'on passe, ça va être l'épreuve du jeu. À pied pour sauter. Je me trompe dans les touches. Voilà, on a sauté la caisse. Allez, les mouvements qu'on puisse faire, tout le tuto. Non, on n'a pas réussi là. On va le reprendre. On va donc prendre de l'élan et sprinter. Hop ! Eh oui, ça passe. Who's out there? The enforcer's on her way, so you'd better not try anything. Et on a trouvé Tiffany. Tiffany, it's me. Anne? Oh, the rebels were here. They were at my place too. Can't open the gate. The animal flow is disrupted. À nous de mettre l'anima pour réparer la porte, je pense. Wait there. Voilà, ici le chargeur. Et voilà. Tiffany, nous voilà. Tiffany, it's good to see you're okay. I'm so glad you're here. Give me a situation report. Of course, Madam Enforcer. Follow me. A group of Forgotlings arrived from the workshop this morning. I thought they were bringing some gizmo for the Aether Bridge.
I didn't realize their validation stickers were forged until after they were already through the front gate. So I activated the emergency shutdown. C'était bien un rebelle, on a bien fait d'éliminer finalement. Même c'est un peu radical. Donc on peut lui dire d'être un peu plus zélé. Ou ce n'est pas de ta faute. Donc vous pouvez être gentil ou méchant. It was a chaotic situation, and you did the best you could. At least nobody got hurt. Don't beat yourself up about it. Thanks, Anne. I won't let it happen again. I know I can depend on you, Tiff. Oh, he's going to be angry, isn't he? I hope I can still go after this. Nobody's canceling your ticket across the Aether Bridge. I'll put in a good word for you. The rebels tried to blow up the gate several times. It's a mess outside. I saw. That blast destroyed the rail system. It's gonna affect the deliveries from the workshop. Like that wasn't enough. The attack blew out the gate. Pas de livraison, pas de construction de pont d'éther, donc on est bloqué, il faut tout remettre en route. Alors, petite info, les dialogues, on ne peut pas les zapper. Même quand on a déjà fait une partie du jeu, ou le jeu complet, on est obligé de supporter toute la narration. Je voulais pas reprendre le dialogue, non! Aha! Ici on est bloqué et on a donc le sens donné. Très bien. Non plus. Vu, attention. Je ne peux pas. C'est beaucoup trop haut l'échelle. Ça serait donc ça qu'il faudrait faire. Et j'aimerais prendre la poignée et l'activer sans en parler à Tiffany, c'est possible. Dans la cave. Ah oui, voilà. Allez. On y va. On va rentrer dans la maison de la tour de guet. Et du coup, on va peut-être récupérer les ailes, si je me souviens. On dirait une UCC de Maître Boncu. Alors, une UCC, ne me dis pas ce que c'est, j'en sais absolument rien. La cave est là. On va recharger l'arca. On va préparer la porte, la clé à molette. Ici, plus rien. On va fouiner quand même, on y est. Ouh, il y a des choses là. Un moteur vide. On va mettre la lumière ici, je suppose. Voilà. Ah, c'est ses souvenirs à elle avec sa copine Tiffany, d'accord. Ah oui, il faudra oublier toutes les affaires que tu as collectionnées. Du coup, je vais peut-être te reprendre, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici à charger. En effet, on remet le courant. On a une poignée, on a ça. Ok, on va activer peut-être. On va baisser le levier. Hop, tiens, voilà. J'ai réussi à le prendre, c'est bon. Bonjour mannequin. Alors c'est quoi ça? On peut le recharger. Now for a training dummy. You're looking good. What? Oh, the enforcer made you. She did a great job. Elle est en train de distiller ou quoi? Still here? Ok. On va continuer à fouiner un petit peu. On va voir l'étage qui s'y a. Tour de contrôle. Voilà, il y a des tableaux. Master Banku, the watchtower is secure, but one forgotling managed to get through. Don't worry though, it's already been dealt with. The most disturbing development. How did this happen? Soit on l'enfonce, soit on la soutient. Tiens, allez.
Tiffany failed to properly identify the intruders until they were already at the watchtower. We must focus on tracking down the rest of the rebels before they escape. I agree, Master. They'll pay for what they've done. If the rebels are retreating to the city, they'll have to take the trains from the tower station. If we move quickly, we can catch them there. Yes, Master. I'm on my way. Ça, y a rien de punitif. Ah, on peut aller tout en haut de la tour de guet. Mon arc est chargé, normalement. Maintenez A pour prendre le contrôle d'un disque et utiliser. D'accord, celui-là est bien. Si on peut aller que là-bas. Donc, tac, tac. Donc ça, c'est une énigme. Voilà, ils sont alignés. Et on aura ce genre d'énigme de temps en temps dans le jeu. Et regardez ce que l'on a, les ailes. Pas mal. Allez, voilà, on a activé les ailes. Et du coup, regardez-moi ça, on peut faire des bonds beaucoup plus haut. On l'active. Et on saute. Voilà. Il faudrait sauter là-bas. Ça marche. Ça marche. Excellent. On peut descendre. Et une petite note de cachet. Ah bah je savais que ça aurait quelque chose de venir par là. Voilà, comme précédemment, profitez-en pour faire pause pour lire le mémento et nous on va continuer l'aventure tranquillement. Allez Tiffany. I found your anima wrench. Tu vas pouvoir réparer. Oh, exactly what I needed. Thank you, Anne. Any progress? Almost done. Does this wrench remind you of Sophia? When Master Bonky was setting up the vault and you accidentally dropped it on his foot. Oh, right. I completely forgot about that. He designs all this intricate machinery for us, and here I am struggling to open a gate. It's crazy. One day we're having fun, the next the rebels are here. Makes you wonder what will happen tomorrow. That should do it. The gate controls should be fixed. Try now. Merci Tiffany. Allez, activons le levier. L'aventure pour continuer. Ah! Et non. Oh no. I'm sorry, Anne. Don't worry, Tiff. It'll take more than a broken gate to stop. Ah oui, maintenant avec mes ailes d'Arca, je peux aller beaucoup plus loin. Activation. Voilà. Et voilà. Allez, on a encore quelques minutes ensemble. On va en profiter pour voir plus loin. Ah, il y a quelque chose ici. Ah oui, il faut prendre le temps de tout regarder. Cet inverseur a alimenté l'atelier en anima. Je ne peux pas le réparer. Non, évidemment. Les ailes. On va essayer de sauter la caisse en face. Ça fait, oui. Au moins la chute est moins terrible. Tiens, tiens, tiens. Forza, what are you doing? I'm trying to fix the pipes. We have no anima at the workshop. Master Bonku's expecting us. Ok, c'est pas un rebelle. The ether bridge today. Where's Strut? He's at the workshop. He's in one of his moods today. Thanks. Now stop kicking them. Ça va être l'ingénieur en chef, je suppose. On va essayer de réparer tout ça. Allez, à plus tard, Wed. Donc on voit déjà qu'il y a une manette activée en haut. Well, keep looking. We've got an emergency cylinder here somewhere. Non, Strux, c'est un nounours. Mr. Strux, how's the situation? How's the situation? Il fume. The situation, Enforcer. The roof's leaking. My stuffing's soaked. And the rebels blew everything up. We've got zero anima to ship off to the last section of the ether bridge. And someone stole my lunch.
Allez, abrège un peu, ouais. D'ailleurs, il y a un miroir d'à côté, un miroir de surveillance. D'accord, il faut réalimenter. Et si, c'est mon arca. On va le faire. Il est chargé, normalement. Tu as de la chance. Et c'est reparti, l'usine marche. Alors, il faut qu'on ait accès. Petite chose à savoir, donc vous avez vu comment charger, et maintenant on a donc des tuyaux d'alimentation. Ce côté-là est alimenté, et je pourrais changer en cliquant. Ah oui, je n'ai pas d'arca, il faut... Et après je peux inverser le courant en fait. Il va falloir trouver de l'arca. Le tableau ici, on peut rien faire. On voit qu'il y a une échelle en haut, je ne peux rien faire. Et évidemment, il n'y a pas d'anima. Donc, on va finir sur ce tableau pour voir un peu comment c'est. Première grosse énigme du jeu. Alors ça se fait. Très bien, il y a une passerelle qui arrive. Et on peut changer de plan de vision. Excellent. Alors, ici on peut monter. On peut rien faire d'autre. Ah oui, Anne se prendra souvent les murs, hein, vous êtes prévenus. Ok. Et là, rien de plus. Bon. Ça soulève ça, ça nous donne un accès de plus. Très bien. Allez Anne, courage. D'ailleurs, quand je regarde un peu aux alentours, je ne vois pas de recharge dans le coin. Oui. Ça ne me sert pas non plus. Est-ce que je peux... Ah mais je n'ai pas d'anima donc je ne peux pas sauter. Très bien. Ouais. On peut monter. Et oh, la bonne nouvelle. Ok, on voit donc qu'il y a un passage au-dessus. Et du coup, j'ai rechargé mon arca. Donc, je peux à nouveau utiliser mes ailes. On va peut-être faire un truc intelligent. Voilà. Si on lui dit de remonter. Est-ce qu'il est très haut ou pas? À mon avis, il est trop haut. Je peux pas avec les ailes, je pense pas. Mais on va essayer. Non! Non, elle s'accroche pas. Ah. On va faire un saut par l'autre passerelle. Ce qui semble plus logique. Sans les ailes de l'arca. Oui, c'est bon. Et on a réussi, enfin. Punaise. Alors, on a un système... mais on n'a pas de courant ici. Par contre, j'arrive à faire descendre l'échelle qui aura sûrement un rôle. Très bien. On va donc inverser le courant maintenant que j'ai de l'arca. Vous allez voir ça. Voilà, la borne est ici. Et... magique. Ça fait quelque chose. Non, si je remonte. Ok, ça serait pas mal. Et cette poignée là. Oui, c'est pas besoin de nous rapprocher, je pense pas. On va le laisser au milieu. Et on a la réponse. Excellent. C'est tout en haut. Est-ce que je peux traverser à gauche sans me cogner? Apparemment, oui. Donc je branche mes ailes. Ouh!
qu'est-ce qui est passé là? C'est un rebelle qui est passé, c'est Kti. Oh, there go the rebels. We'll never see them again. Start this train. I'm going after them. You can't. The lever releases the clamps on this platform. Then how was the other train able to leave? The rebels must have had help. Are you suggesting we have a mole? Ah, on est infiltré. Really only be the station master packs. I see. Where can I find him? Should be in his office. Ok, il faut que je prenne le train, donc il faut qu'on voit ça avec Pax. Merci, Sekti. On peut monter dans le train. Le panneau d'information. Ok, numéro 1 n'est toujours pas alimenté, vu. Oh. On va essayer de débloquer la situation au plus vite. Il y a rien par ici, il y a un miroir. Station Master Pax. Madame Enforcer, it's been a while since your last visit. To what do I owe the pleasure? A train full of rebels just pulled away from the platform. Your security guy suggested you might have a mole at the station. A mole? Not under my leadership, Miss Enforcer. However, Sekti down there is the one responsible for screening the passengers. If someone let in the rebels, remet tout sur le dos de son collègue. It's probably him. J'ai pas le temps pour ça. Bah non. L'un d'eux est forcément la taupe, mais il n'arrête pas de se renvoyer la balle. Qu'est-ce que tu décides ? Une petite torture ? Stop ! Stop ! I'm the mole, I say. C'est horrible. Master Bunku and I trusted you, Pax. What else have you done ? Nothing, madam. It was a one-time offense. I want the truth. They talked me into it, told me it was for the greater good. Le bien de tous les oublions. I've been hiding anima cylinders. Where? Ah, il faut suivre Pax. Oh! Une cache. Un bureau pour les rebelles. Regardez, bon coup, Anne, la tour. Excellent. On a été vidé notre anima, on va le prendre. Là, on est bien. La cache secrète des rebelles. Là, t'es mal, hein, Max. Sekti will make sure you don't leave. Voilà. You're not going to distill me. No, I'm not. You've been station master for as long as I can remember. I'll send you to work at the Depuis que tu es toute petite, en fait. I understand, Madame Enforcer. The plug. Why did I let them use Ah, il est trop tard pour avoir des regrets, hein, mon grand. Et par là, est-ce qu'on peut sauter ici? Ah ouais. Oh, je peux même grimper là. Et apparemment, on a un accès par ici. Ah, les partiteurs pour agir sur le cinéma. Oui, 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 oui. Et ça, ça fait quoi? Ça a l'air d'aller bloquer, et là... Ah non, ça a l'air d'être bon. D'accord, apparemment c'était ça qu'il fallait faire. Ok. Sekti, je peux trouver Pax à son office. Make sure he ah, j'aurais pu continuer par l'autre côté, d'accord. No need. I'll take care of that. I knew it was Pax. Non, apparemment c'est bon. I'm dealing with the situation as I see fit. Don't let the rebels play on your sympathy, Madame Enforcer. We can't afford to show them any mercy. You don't need to worry about that. Et du coup, est-ce qu'on peut prendre le train? Oui, je pense. Et voilà. Eh bien écoutez, si le voyage s'enclenche, c'est parfait. On est arrivé au bout de notre test et on va se retrouver dans l'instant critique. On
On va tenter de faire le point sur ce magnifique jeu qu'est Forgotten Anne, le jeu de Anne en fait. Un jeu extrêmement narratif, ce qui n'a pas été évident pour vous montrer en fait les débuts, j'ai dû trancher. Et actuellement d'ailleurs, ce jeu est nominé pour la meilleure narration au Golden Joystick Awards de cette année. Alors ce jeu c'est quoi? En fait, c'est il faut revenir un peu au fondateur de l'équipe de développement Throwline Games, qui a été fondée en 2014 à Copenhague, au Danemark. Fondée par Nguyen Alfred, qui était avant réalisateur de films d'animation, ce qui explique la patte graphique, qui est devenu le directeur artistique. Et du cofondateur Mikael Godlowski Marignac, qui travaille dans les jeux vidéo locaux. Leur approche a d'abord été de créer l'histoire de Anne et de l'univers des Oublions, et ensuite de travailler sur le gameplay, comme également il fallait fusionner des éléments de l'Est et de l'Occident, ce qui aura un très bon rendu d'ailleurs au passage. Petit bonus pour la voix de Anne, il s'agit de l'actrice Rachel Messer, vous pouvez voir la photo, qui a prêté sa voix dans plein de jeux vidéo, dont Wakfu et de dessins animés. L'autre très gros point fort du jeu a été la musique, puisque la partition est créée par l'Orchestre Symphonique National Danois, basé justement à Copenhague. Au niveau de l'histoire, c'est une très très bonne surprise, puisque j'ai eu des révélations dans le jeu qui m'ont vraiment plu. Comme je vous l'ai dit, la durée de vie du jeu, si vous y allez vraiment à fond, environ 7 heures, mais certains puzzles peuvent vous bloquer, et on va compter même une huitaine d'heures. Mais dans la majorité des cas, les puzzles ne sont pas compliqués. Alors on parle d'oublions, on parle de rebelles, et on parle d'une sortie pour les êtres humains que sont Anne et Maître Bonkou. Donc les grandes figures de l'histoire, vous aurez Fig, qui sera le chef des rebelles, et son ami Bulbe. Et également à retenir aussi quelques scènes cultes, puisque j'en ai quand même une qui m'a vraiment plu, entre autres, une course-poursuite avec Fig et donc Anne, qui était excellent. A noter aussi que ce jeu est très intéressant, puisque enfin on a une héroïne, une vraie, qui joue, qui est le rôle principal, qui fait ses actions, ses choix. On appréciera d'ailleurs le bien ou le mal, enfin les choix un peu binaires bien sûr, mais il y a quand même quelques actions, malgré que le jeu soit extrêmement linéaire, les retours en arrière sont impossibles quasiment. Alors si on fait le point sur tout ce qui est dit, il y a quand même un ou deux défauts à noter malgré tout. Au niveau des bugs, le jeu dans l'ensemble, aucun problème, sauf à la fin où quand j'ai voulu faire les deux facettes finales, au deuxième tentative, le jeu s'est figé complètement. Voilà, bon, bah, c'est arrivé une seule fois, donc dans l'ensemble tout marche très très bien. Et des lenteurs par contre, des lenteurs dans les dialogues, les narrations, vous ne pouvez pas les couper. Donc si vous revenez sur une action, c'est vrai que c'est extrêmement pénible. Là-dessus, par contre, si vous pouvez faire un patch, ce serait une très bonne chose. Et quelque chose de très traumatisant, je vous montre d'ailleurs l'image, il y a une séquence, deuxième séquence culte peut-être pour moi, mais dans la séquence pénible, après une rencontre avec une gardienne, vous verrez dans l'histoire plus tard, je ne veux pas trop vous spoil, Anne prend une barque pour traverser le rêve, ses songes en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune action, juste traverser en barque, et la musique de l'Orchestre National Symphonique Danois. Et cela dure 3 minutes 30. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu montrer comme drama, mais c'était dans la souffrance absolue. Mais on va finir là-dessus quand même. Dans l'ensemble, globalement, c'est un très très bon jeu. Vraiment une belle histoire et de belles surprises. Je donnerai donc une note de 4 sur 5. Merci de m'avoir écouté, c'était Tekamon pour Daily Mars, et je vous dis à bientôt pour un prochain jeu.